Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie énormément pour le suivi de ma chaîne, c'est vraiment très très gentil. Vous êtes assez nombreux à venir sur ma dernière vidéo, donc qui concernait une carte automnale avec un die moodboard. Et ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je viens avec une vidéo un petit peu plus particulière. Bon, je suis fan de Gorgeous, ça, c'est pas nouveau, hein. Je pense que c'est... Même avant de faire du scrap, j'aimais beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait la collection donc, des deux précédents albums Panini Collector. Alors, je vous dirai pas les années parce que je ne me souviens pas trop. Il n'en sort pas un tous les ans, hein. Donc, c'est peut-être sur les 5 dernières années passées. Et là, eh bien, j'ai reçu donc un partenariat de la part de Panini. Alors, normalement, ce que j'ai reçu était dans une enveloppe colis. Mais moi, j'ouvre tous mes colis au garage. Hein, voilà, je ne monte pas les emballages qui ont un petit peu transité un peu partout. Je ne les mets pas dans la maison. Donc, j'ai ouvert la grande enveloppe colis et j'ai découvert ceci. Donc, j'ai un petit mot, bonne réception de la part de Panini, la personne qui m'a envoyé tout ça. Je la remercie beaucoup. Voilà, je pense qu'elle se reconnaîtra. C'est très, très gentil à elle. Et je vais donc ouvrir avec vous le nouvel album. Hein, alors, hop, j'ai peut-être pas pris le meilleur outillage pour le faire, mais bon. Alors aujourd'hui, je ne filme pas avec mon appareil photo, je filme avec le téléphone et j'ai un caméraman. Donc si c'est mal filmé, il faudra s'en prendre à lui. On va ouvrir de ce côté. Je trouve déjà que la couverture est très belle. Contrairement au précédent, il y a un petit peu de paillettes. Voilà, c'est assez différent. J'aime beaucoup. On va peut-être retrouver donc des personnages nouveaux. Ah, alors. Ah oui, d'accord, effectivement. Bon, alors, il y a l'album que l'on va découvrir ensemble. Il y avait ce petit carton, mais ça peut resservir, hein, au niveau scrap. Et il y avait toutes ces vignettes. Alors, elle m'avait dit qu'elle m'envoyait une collection complète. Je me demande si ce n'est pas le cas, hein, finalement, oui, parce que... Il y a énormément de vignettes, je pense que c'est une collection complète. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'album. Alors, au niveau, je vais quand même vous dire à combien il est dans le commerce. 3,50 € apparemment. Voilà, 3,50 €. Et alors, je crois que les paquets de vignettes, je les ai déjà vus dans un commerce qui fait librairie de ma région et je crois qu'ils sont à 1 € le sachet de vignettes. Voilà. Alors, ben, je le reconnais, c'est super sympa de le recevoir. Ben, effectivement, voilà, ben, celui-ci, c'est pour vous présenter. Et effectivement, je suis ravie de le recevoir en partenariat, excusez-moi, ce qui est en quelque sorte un cadeau, hein. Alors, c'est magnifique, hein, franchement. Voilà, tous les personnages sont assez nouveaux. D'accord, il y a des propositions d'idées pour faire des serre-têtes ou autre. Ça, je peux l'utiliser avec ma filleule Jade et ma nièce Victoire. Parce qu'elles aiment beaucoup aussi, hein, faut pas croire. D'ailleurs, on collera peut-être les vignettes avec elles. Normalement, je dois m'en occuper. Alors, je vais pousser les vignettes qui me dérangent un peu. Je dois m'en occuper au moment des vacances de Noël. Et peut-être qu'à ce moment-là, nous le ferons ensemble. Voilà, il y a des petits jeux. Je pense qu'elles seront ravies de coller les vignettes avec moi. On dirait l'automne. Voilà. Bon, c'est toujours des couleurs très chatoyantes, très jolies. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, ben voilà, Alice, c'est beau comme tout. Les cartes à jouer. Donc là aussi, il y a un petit jeu. Ben voilà, je le ferai avec elle.
et le petit lapin avec la montre à gousset. Là également, il y a un petit jeu. Ben alors ça, c'est assez sympa. C'est un petit peu nouveau. Je crois que dans les précédents, il y en avait, mais pas à toutes les pages. Donc, c'est génial. Donc là, ce sont les signes du zodiaque. Il me tarde de découvrir le mien. Voilà. Les quatre éléments. Là, il y a également un jeu. D'accord, ce sont les signes qui se réfèrent aux quatre éléments. La fête foraine, c'est très 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 joli. Les ballons, le pop-corn, les petits personnages à gagner, des petits fanions. Mais c'est beau comme tout. Ah, une âme de pirate, oui. Voilà, ça c'est assez nouveau parce que oui, la Gorgeous Pirate, ben c'est un peu plus récent. Alors, il y a également un jeu. Ça va vraiment être très, très sympa à faire avec les filles. Bon, les petites amies, on les connaît depuis un certain temps quand même. Et donc là, c'est sur le thème du voyage. C'est très sympa. Ce que j'aime aussi dans Gorgeous, c'est qu'on retrouve quand même toujours cet aspect un petit peu vintage. Voilà, là, il y a une petite sacoche qui fait quand même assez ancienne. Il y a toujours une note ou plusieurs de vintage et j'aime beaucoup. Voilà, avec des capitales. Là, nous sommes plutôt dans les arts. Là, c'est la musique. La danse, visiblement. Et il y a également des petites choses à compléter, en plus des vignettes à coller. Les petits amis. Ah, les petits animaux, j'adore. Le petit chien. C'est adorable. Les petits chats que nous connaissons, on les rencontre souvent auprès des Gorgeous. Elle est belle cette page. Alors, beauté gothique, ben oui, oui, aussi. Mais bon, c'est... Enfin, celle-ci, je l'aime beaucoup personnellement. Bon, au niveau des accessoires, tout n'est pas à mon goût. Hein. Voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est joli comme tout. Il me tarde de découvrir les vignettes d'ailleurs qui s'y rapportent. Enfin, Noël. Ouais, c'est vrai que ça approche. C'est tout mignon. Un Halloween fantastique. Bon, alors pour moi, c'est un petit peu plus fête de citrouille. Hein, voilà. Mais bon, elle est très jolie. Hein, sur sa citrouille, très, très, très jolie. Et il y a un jeu. L'amour des livres. Ben voilà, quelque chose que j'aime aussi. C'est superbement présenté. De toute façon, j'adore les couleurs. La pile de livres, superbe. J'ai déjà utilisé une pile de livres comme ça, justement, que j'avais trouvé dans un livre Gorgeous. Et pour faire la pocket letter que j'avais envoyée à nos mamies créa sur le thème Alice. Ah, souvenir d'été. Elle est très très chouette. Il y a également donc des jeux. Douceur de la forêt. C'est un petit peu l'automne. Hein. J'ai l'impression quand même que c'est un album au fil des saisons. Et des événements calendaires bien sûr. Bon, celle-ci nous la connaissons. Elle est très très belle. Voilà, les meilleures amies. Ah, elles sont différentes. Voilà. Les meilleures amies différentes de celle-ci. Alors, j'adore ces encadrements, comme ça, avec des mouleurs, c'est joli. Moment créatif, eh bien voilà, là on travaille la laine, visiblement. Très, très beau. Et il y a également un jeu. Choisis un sport. Alors, voilà,
il y a un jeu. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Le Royaume des animaux, à nouveau. C'est un petit jeu avec des empreintes. C'est très, très sympa. Je pense que les filles vont beaucoup aimer. Un peu de douceur. Là, nous sommes dans la gourmandise. Alors, voilà. Les gâteaux et les tasses à thé, les théières. Bon, ben, moi, j'aime beaucoup, hein, décidément. Gorgeous me correspond. La lune et les étoiles. Donc là, c'est un petit peu plus, on va dire, les astres. D'accord. Ah oui, pas mal d'explications sur le cycle de la lune. Alors, je suis désolée, vous entendez du bruit. Il fallait bien que ça tourne maintenant. C'est le petit chat donc, de ma maman qui est maintenant ben, chez nous. Qui, je crois, est dans sa litière et gratouille. Vol de papillon. Alors là également, je pense qu'il y a des labyrinthes à faire. Et elle est magnifique. Magnifique. Elles sont tibérées. Elle est trop belle. À conte de fées. C'est vraiment joli. Vraiment joli. C'est adorable. L'album est très très beau. Voilà. Et là, c'est le cirque. Bon. Voilà, le cirque et moi, ça fait deux. Mais voilà, je reconnais quand même que les pages sont très très belles. Et voilà. Alors, apparemment, il y a 175 vignettes à collectionner. Eh bien, c'est un très bel album que je suis ravie de vous avoir présenté. Ah, mes petites... Voilà. Alors... Je reviens. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, je suis allée un petit peu calmer le chat parce que bon, si on l'entend plus que moi, ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors, au niveau des vignettes, eh bien, on va en regarder quelques-unes ensemble. Je pense que je les ai toutes, certainement, puisqu'elle m'avait dit qu'elle m'envoyait une collection complète. Donc, voilà, certaines ont pas mal de brillants. On retrouve des modèles assez anciens. C'est très chouette. Là, ça doit être la page des amis. Mais par exemple, on va prendre celle-ci, celle-ci. Celle-ci, voilà, on va regarder. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh là 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 là, elles sont vraiment belles. Alors, elles sont toutes en vrac, mais ça vous permet aussi de les découvrir. Ah oui, c'est adorable. Alors, nous allons peut-être voir celle-ci déjà. 139, qui doit se situer par ici. Voilà, la 139, c'est là, c'est sur la page du Royaume des animaux. Il fallait un petit peu s'en douter. C'est adorable, la petite Gorgeous avec son bonnet. Là, nous avons donc 92. Ici, donc c'est sur Halloween. C'est vrai qu'il fallait s'en douter aussi. Le graphisme est vraiment très beau, hein. Alors, comme vous le voyez, il y a des petits brillants. Voilà, il y a comme du glossy. Non, mais les... Les vignettes sont toujours très très belles. Voilà. Celle-ci, ben, elle est peut-être par là aussi. Hein? Oui, voilà. Très très belle également. Celle-ci, ça doit être à la fin. Je m'en doutais un peu. 175. C'est la dernière. Ben oui, suis-je bête. Voilà. Elle est très, très, très belle. La petite Gorgeous en clown. Avec des petits décors dorés, un petit cadre doré autour.
Et celle-ci, 26, par exemple. Là, voilà. Dans les étoiles. C'est sur les pages dans les étoiles. Mignonne comme tout. C'est le signe du lion. Voilà. Alors, je ne vais pas faire tout l'album avec vous, hein, parce que voilà, Gorgeous, c'est une affaire de goût. Effectivement, mais tout se respecte. De toute façon, moi, je le dis, je suis assez créative et comme on dit, l'adulte créatif a gardé une âme d'enfant. Donc, ça, c'est mon cas, j'en suis convaincue. Voilà. Donc, je suis ravie de vous montrer donc cet album. Vous voyez un petit peu toutes les vignettes que l'on peut trouver de la collection Panini. Voilà, un partenariat que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment très très gentil de leur part, sachant que voilà, je suis fan et puis c'est tout, hein. Voilà. Alors, merci beaucoup de suivre cette vidéo et je vous dis à très bientôt.